Vous savez, cette application bien à la mode en ce moment, TikTok, ben, je publie aussi des vidéos. Mais pas des trucs chelous, hein, je vous rassure. Hein. Mais franchement, entre vous et moi, il y a quand même des trucs qui servent à rien. Sérieux. Des trucs, on s'en fout totalement. On veut même pas en entendre parler. Des trucs des fois cool, des trucs chiants, mais qui m'énervent, sérieux. T'as le mec qui poste son quotidien. Mais sérieux, tu t'en fous? Alors là, je prépare mon bol de céréales et puis j'ai mon café qui est en train de couler dans la cuisine, quoi. Voilà. On s'en fout! On s'en fout complètement, hein? On s'en fout. Tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, on s'en fout, hein? T'as la meuf là qui danse devant son téléphone, déjà on sait même pas pourquoi. J'aimerais bien voir la tronche de ses parents quand ils rentrent dans sa chambre, sérieux. Alors là, t'as le mec qui va sur YouTube. Ok, déjà là c'est bon. Il prend des vidéos et il les poste sur TikTok. Le mec qui fait plus de vues que Charli D'Amelio. Bon, quand même pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, une vidéo. C'est un crash de voiture. Je vais la mettre sur TikTok. Alors là, t'as la dame qui fait des recettes de cuisine. Y a aucun mal. Mais on dirait qu'ils ont un TGV à prendre. Je te jure, ils sont. Alors là, faut rajouter les 2 œufs. Ah, c'est du sport, hein. Puis il faut mettre la farine. Je sais plus ce qu'il faut mettre. Le mec, il te montre des trucs de fou. Mais alors, par contre, quand tu les refais chez toi, c'est, on va dire, pas du tout pareil. Hein. C'est très 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 loin de ce qu'il a fait. Hein. C'est, voilà. Qui poste des plusieurs parties, c'est-à-dire en gros, t'as une vidéo beaucoup trop stylée. Et bizarrement, vraiment au meilleur moment, ça coupe. Tu vois, il met partie, hein. Déjà, ça fout complètement les nerfs. Hein. Et tu vas donc sur son compte, tu cherches la partie 2, et bien évidemment, tu la trouves pas. Hein. Génial, c'est cool. Donc déjà, t'enlèves le like, ça c'est fait, c'est clairement fait. Moi, je fais souvent ça. T'enlèves le like, tu vas sur YouTube, tu cherches et tu trouves pas. Du coup, bah, tu te désabonnes. Voilà. Un mec qui se déguise en truc de fou, c'est-à-dire il a un cosplay de fou, mais par contre, quand il est tout seul devant son téléphone, bah, il paraît un peu pour un imbécile, quoi. Bah, du coup, voilà. Hein. C'était mon costume, quoi. T'as celui qui fait des challenges avec son ventre, là, vous savez, quand il bouffe, là. Il fait des. Bah, ça sert à quoi? Non, franchement, ça sert à quoi? C'est nul, c'est moche, c'est dégueulasse. T'as le mec là qui ben, fait des trucs de fou avec ses mains. Puis bien sûr, ben, quand toi t'essayes de le refaire, bah t'y arrives pas vraiment quoi. Oui, bah, bien évidemment. C'est TikTok. Oh, le petit oiseau là. Oh, le petit lapin. Oh, putain, trop stylé. Maman, regarde. Hein? C'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était un petit sketch sur les gens sur TikTok. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Bien sûr, c'est un sketch, hein, j'aime beaucoup TikTok. Bon, mon nom TikTok est dans la description. Je vous invite à aller voir, vous abonner et liker si bah, le contenu il vous plaît. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Alex, abonne-toi. Ciao!